Dans cet enregistrement, vous allez apprendre à utiliser des boutons cliquables pour mettre de l'interaction dans votre programme Scratch, en jouant par exemple avec la visibilité de certains sprites, avec le changement d'arrière-plan et tout ça. Donc, pour ce programme-là, on va le nommer bouton cliquable. On va aller chercher d'abord trois arrière-plans. Donc, dans la banque de Scratch, on va aller chercher un arrière-plan vraiment neutre comme le Blue Sky 2. On va aller aussi chercher un autre décor. Je vais peut-être prendre une plage comme Beach Malibu. Et ensuite, je vais aller chercher un décor de l'Arctique sous la glace. Donc, quand on clique ici dans la section arrière-plan, on s'assure d'avoir vraiment sélectionné la scène. On vient ici sur l'onglet arrière-plan. On remarque que nos trois arrière-plans sont présents. Au niveau maintenant des lutins, on va aller chercher, on peut supprimer le petit chat. On va aller chercher deux personnages différents. Donc, disons, Abby d'abord. Et on va aller chercher, ça peut être Devon. Et on va aussi se servir de boutons cliquables, donc toujours dans la banque de lutins, de sprites. Je vais prendre un premier bouton ici. Alors, je peux positionner mes personnages ici. Celle-là aussi. Mes boutons, je peux en mettre un ici. On va le dupliquer étant donné qu'on en veut deux. OK. Donc, ce que je veux faire, c'est d'abord, quand on clique sur le drapeau vert, je veux que les personnages soient absents de la scène et j'aimerais aussi que l'arrière-plan soit celui qui est neutre. Donc, pour ça, je vais aller, disons, ça peut être sur Abby. Donc, sur Abby, drapeau vert, on va aller dans Événements, chercher un drapeau vert. On veut qu'Abby soit absente ou invisible. Donc, dans la section Apparence, on va aller chercher le bloc caché. Et on veut aussi que l'arrière-plan soit celui qui est neutre. Donc, on prend le bloc basculé sur l'arrière-plan. C'était Blue Sky. Pour ce qui est de Devon, lui aussi, quand le drapeau vert est cliqué, on veut qu'il soit invisible, donc on veut qu'il soit caché. Alors, dans Apparence, on va chercher le bouton Caché. Donc, si on clique sur le drapeau vert, on a l'arrière-plan neutre et nos deux personnages sont absents. Maintenant, on va aller traiter nos boutons. Alors, bouton 1. Je viens cliquer sur le bouton 1 ici. Ah, ben, je vais juste les déplacer pour qu'ils soient dans l'ordre. Donc, bouton 1, on va venir dans la section costume du bouton 1. Je vais inscrire, on pourrait changer sa couleur si on le souhaite. Là, il y a vraiment, on peut jouer là, sur à peu près tout là, sur le bouton. On va y aller simplement en inscrivant du texte à l'intérieur. Donc, T ici pour texte. Quand le bouton 1 est cliqué, j'aimerais que Abby soit sur la plage. Donc, je vais écrire Abby plage. Je peux sélectionner mon texte ici pour le mettre en noir, plus visible. Donc, vous voyez apparaître ici Abby plage. On peut le centrer un petit peu plus. Puis, je veux faire un peu la même chose. Donc, pour l'autre bouton, le bouton 2, je viens de sélectionner. On est dans la section costume. On veut que, en cliquant sur le bouton 2, on vient mettre du texte. On veut que Devon soit sur la glace. On vient le centrer. Maintenant, allons programmer nos boutons. Donc, je vais revenir au bouton 1. On va s'occuper de la partie là, habits à la plage. On vient sélectionner l'onglet Code ici. Donc, quand ce bouton est cliqué, c'est-à-dire dans la section Événements, on vient chercher le bloc qui s'appelle Quand ce sprite est cliqué, parce que le bouton demeure quand même un sprite. On veut qu'il se passe ceci.
On veut que l'arrière-plan apparaisse, c'est-à-dire l'arrière-plan de la plage. C'est dans la section Apparence. Basculer l'arrière-plan ici, plage. Beach Malibu. Et on aimerait aussi qu'Abby apparaisse et dise quelques mots. Il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait y aller avec les messages à envoyer, un petit peu comme on a vu dans l'autre vidéo, mais on va se servir d'une autre façon. Donc, pour ça, il faut aller sur le code d'Abby. Étant donné qu'on vient de changer l'arrière-plan, il existe, en cliquant sur le bouton Abby Plage, il existe un bloc ici qui s'appelle Quand l'arrière-plan bascule. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Abby quand l'arrière-plan de la plage bascule? Ben, on veut qu'elle se montre. Dans la section Apparence, il y a le bouton Montrer. Alors, Abby va apparaître dans le décor. On va faire ensuite attendre une petite seconde. Et après une seconde, on aimerait qu'elle dise un message. Donc, dans la section Apparence, elle vient dire. Exemple, bonjour, je m'appelle Abby. Donc, on va essayer ce que ça, on va voir ce que ça donne pour le moment. On clique sur le drapeau vert. On est à notre situation initiale. Et si on clique, on va retourner voir le bloc ici, là. Si on clique sur ce sprite, ce qui va se passer, c'est que l'arrière-plan va changer. Puis en plus, étant donné que l'arrière-plan change ici, bien on va voir Abby apparaître, attendre et parler. Donc, on clique sur l'arrière-plan, sur le bouton. L'arrière-plan a changé, Abby est apparue et elle a parlé. On peut la faire parler un petit peu plus longtemps, là, on ne l'a pas vraiment vue. Donc, ça a fonctionné pour celui-là. Si on veut revenir à notre situation initiale, on clique sur le drapeau vert, on revient avec notre arrière-plan, Abby cachée. On va faire la même chose avec Devon. Donc, Devon, lui, c'est quand on clique sur le deuxième bouton. On va aller sur ce bouton, justement. Alors, quand ce sprite est cliqué, d'abord, on veut que l'arrière-plan change pour le décor de l'article. Donc, basculer arrière-plan article. On aimerait aussi que Devon apparaisse. Donc, encore une fois, on peut se servir des messages ou bien en allant sur Devon, on veut que lui, au moment où l'arrière-plan a changé, c'est-à-dire là, dans la section événements, quand l'arrière-plan bascule sur Arctic, on veut qu'il apparaisse. Donc, dans la section apparence, on va chercher le bloc montrer. Lui aussi, on va le faire attendre une petite seconde avant de parler. Et on va lui faire dire, dans Apparence encore, bonjour, je m'appelle Devon pendant 3 secondes. On va tester notre programme jusqu'à maintenant. Drapeau vert. On revient à notre situation initiale. On va tester Devon. Alors, quand on clique ici, le bon arrière-plan est sorti, Devon est apparu et il parle. Si on clique sur le drapeau vert, on revient à la situation initiale. On essaie Abby maintenant. Elle apparaît avec son arrière-plan. Mais si à partir de cette séquence-là, je clique sur Devon, on remarque qu'Abby est toujours là. Donc, ce qu'il faut s'assurer, c'est que quand l'arrière-plan d'article change, on pourrait peut-être vouloir qu'Abby soit encore là, mais si on veut qu'elle disparaisse, c'est quand l'arrière-plan article est changé. On va dans le cas d'Abby ici. Quand l'arrière-plan bascule sur article, on veut qu'elle se cache. Dans Apparence, on vient mettre cacher. Alors, je reclique ici sur Devon Glass. Là, on a ce qu'on veut. Et si on clique maintenant sur Abby Plage à partir de cette séquence-là, on voit que Devon est encore là. Donc, pour régler le problème, on fait un petit peu la même chose. Donc,
sur le bloc, sur le code de Devon quand l'arrière-plan de la plage est basculé. La plage, on veut qu'il se cache. Caché. Alors, reprenons du début. Quand le drapeau vert est cliqué, on a notre situation initiale. Quand on clique ici sur Habit plage, l'arrière-plan est changé, Habit apparaît. Quand on clique sur Devon glace, c'est Devon sur la glace. Et on peut revenir comme ça là, indéfiniment et ça fonctionne comme l'objectif du programme. Et si on veut revenir à la situation initiale, toujours avec le drapeau vert. Alors voilà, ça ouvre encore une fois beaucoup de possibilités. Ça, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de le faire, mais ça nous amène à pouvoir vraiment changer d'emplacement, changer de personnage, faire apparaître, disparaître des personnages comme on veut. Donc, ça amène vraiment une variété de possibilités pour un programme.